Et salut à tous, ici Arcanum et on se retrouve pour du Animal Crossing sur Switch. Et oui, première vidéo du coup sur Switch avec bah, du coup le jeu auquel je joue le plus sur Switch. Il suffit de voir mes stats. Allez, je peux même vous montrer mes stats. Alors, s'il y a deux personnes sur la console, c'est voulu. Ah, excusez-moi, les amis de la Wii. 415 heures, bon, je pense qu'à un moment on peut se dire que j'ai dosé le jeu. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu mon île, je vais me balader, je vais faire mes trucs quotidiens. Par trucs quotidiens, alors vous allez être... Je vais être très insupportable parce que... sur Animal Crossing, pour obtenir, on va dire... Alors dans le concept du jeu, hein, j'explique, hein, c'est une simulation de vie. Et dans la particularité de ce jeu, c'est que... alors oui, j'ai déjà parlé à Marie, j'ai déjà ouvert le jeu pour tester, mais j'ai pas fait autre chose. Il y a un peu de lag, il y a un petit micro lag, ouais, il y a un petit peu de... Alors voilà mon chic, mon habitant chic, il s'appelle Polito, je suis sûr que vous le connaissez tous. Et il me dit salutations le gueux, parce que c'est quelqu'un de riche, donc forcément il est médisant envers les pauvres. Bon, j'ai un peu de lag, mais ça c'est pas un souci. C'est pas très grave. Alors j'ai l'impression d'être bourré, oui mais c'est normal, il y a du input lag. Alors oui, il y a Gulliver qui est venu. Donc ouais, j'ai un peu d'input lag. Donc, Gulliver, qu'est-ce qu'il m'a donné? Ah oui, c'est le bordel dans mon inventaire. Yes. La barre de Pato-Pirate. Donc voilà l'île. Je vais vous montrer ma maison qui est pas du tout aménagée, hein, parce que c'est vraiment le dépotoir. Hein. La maison pas du tout décorée. Voilà, c'est vraiment dépotoir land. Hein. C'est vraiment... c'est vraiment... On a mis tout ce qu'on a trouvé, puis... Et puis on les a mis là. Bon bah, là c'est parce que j'avais fait un début de quelque chose. Hein. Au début j'avais pas trop la flemme. Ah il y a un ballon. Ah oui, hein, là voilà. Quand je disais que j'allais être insupportable, tous les 5 minutes t'as un ballon. Et dans les ballons tu peux avoir un crabe de Noël. Ah, potentiellement un crabe de Noël. Et je suis insupportable avec ça. Hein. J'ose dire. C'est vraiment... je suis quelqu'un de très insupportable avec ça. Donc tous les 5 minutes je vais sur ma plage et je regarde si j'ai un ballon. Alors maintenant que j'ai du input lag, ça va être génial. Alors voilà mon arrogante, elle s'appelle Alice, c'est un crocodile. Alors eux ils disent pas un crocodile, ils disent un alligator, mais c'est pareil. C'est pareil, c'est un reptile qui vit dans la flotte. Alors non, pas ma canne à pêche, par pitié. Bon, il y a un peu d'input lag de mon côté, mais ça va, j'ai connu pire. Alors comme on est en hiver, il y a les bonhommes de neige, bon bref, routine sur ce jeu, voilà, bon là il est 10 par exemple. À une époque tu pouvais glitch ce truc, hein, les ballons. Donc ouais, je comme si vous étiez pas là. Hein. Alors là il y a un ring, mais le ring a disparu parce que bah, les bonhommes de neige, ça spawn que sur des cases en particulier. Donc voilà, là c'est vraiment la collectionniste, hein. Ce jeu c'est vraiment la collectionniste life. Donc vive la vie, n'oubliez pas. Hein. Oui, alors pourquoi il y a un requin ici? C'est le requin du ring. C'était le requin du catch en réalité, mais j'ai trouvé ça drôle à un moment. Puis j'ai trouvé l'idée de regarder un requin en captivité pendant X temps drôle. Bon là par exemple il n'y a pas de ballon, typiquement. Alors typiquement, voilà, c'est super. Hein. Alors là, c'est le camp d'entraînement, parce que oui, il y a un ring, du coup, les gens, ils s'entraînent ici. Il y a un lore dans l'île, hein. Vraiment, on a tout fait pour respecter le lore. Alors bon, comme il n'y a pas de ballon, on va pouvoir un petit peu visiter l'île. Alors là, il y avait une balançoire, je sais pas pourquoi il y a une balançoire, mais bref. Ah, il y a Jason, je déteste. Alors quand on déteste quelqu'un dans Animal Crossing, que fait-on? On le fait bien comprendre. Voilà. On le tabasse. Alors le son est un petit peu... il y a deux petites frames en retard, mais bon, c'est pas grave. C'est peut-être pour moi, uniquement pour moi et pas pour vous. Non, mais casse-toi, Jason. Tes œuvres d'art, tu peux te les foutre au cul et... Ce sera la même chose. Ouais, ouais, tu restes jusque demain à 5h. Super. Bon, du coup, on va parler à mes autres habitants. Voilà, on va parler à Ali. Salut mon chéri, je voulais juste passer. Arrête, par contre, ça c'est une phrase qu'elle a décidé. Elle a décidé toute seule de dire. Hein. Moi je suis pas responsable des phrases de mes habitants. Hein.
J'ai montré le musée après. Ouais, voilà, le mec très insupportable. Alors voilà, là il y a les flocons. C'est pour faire des trucs, des crafts flocons. Il y a une série flocons. Et je les ai déjà tous. Alors là, c'est Hippie, c'est mon autre hippopotame. Parce que, alors oui, il y a une thématique sur l'île. Il y a l'île des hippopos. Et là, on est sur l'île des hippopos. Il y a Polito l'hippopotame. Et là, il y a Hippie l'hippopotame. Qui craft en plus de ça. Elle m'appelle Moineau. Alors, je sais. Voilà, alors, ils m'ont donné plein de surnoms, hein, vraiment. Eh ben, je bricole à nounours géant. Alors, le nounours géant, je l'ai déjà. Oui, alors, les crafts, hein, vraiment, ça, c'est la maladie. Hein. Ouais, alors, les crafts, j'en ai plus de 500. Hein. Dans le jeu, il y en a au moins 550. Pour vous montrer à quel point c'est la collectionnite. Full collectionnite, hein. Ouais, merci, Hippie. Est-ce qu'il y a un ballon? Il y a un ballon dans 2 minutes. Voilà, la maladie des ballons. On rage parce qu'on n'a pas de craft. Ça, c'est vraiment la vie. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Donc là, par exemple, dans 2 minutes, il y a un ballon. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on attend? Eh ben, on va sur le ponton. Et on essaie de faire tricher. On essaie de faire glitcher le jeu. Parce qu'en faisant ça, tu peux voir s'il y a un ballon. D'avance. quand je suis sur Animal Crossing, je fais que ça. J'attends pendant 1 heure des ballons et j'essaie d'avoir les crafts du jeu. Parce que, voilà, la maladie du collectionnite. Alors là, typiquement, là il devrait avoir un ballon. Alors, il spawn en général, les ballons, ils spawnent entre 4 et 9. Non, il spawn à 4 ou à 9. Quand il y a un ballon, hein. Quand il n'y en a pas, voilà. Et je sais que les ballons, ils spawnent de ce côté-là, sur mon île, avant 18h. Après 18h, ils spawnent de l'autre côté. Voilà, typiquement, voilà, vous avez vu, la strat a marché, vous avez vu, il y a un ballon là-bas, je le sais qu'il y a un ballon. L'escroquerie a marché. Donc, le lance-pierre. Non, ça va, il spawn lag, on s'y habitue vite. Du coup, ça permet de se faire avec cette capture, la vidéo capture, de pouvoir filmer du God Eater 3, ce sera bientôt, hein, quand on aura fini le 2. Enfin, il est où le ballon? I'm forget the balloon. Ah, il est là. Alors, on est international ici. Alors, c'est un ballon vert. Alors, faut savoir que les ballons ont un code couleur. Bleu, c'est des matériaux. Jaune, c'est de l'argent. Vert, c'est des meubles. Et rouge, c'est des crafts. En grande majorité. Hein. Il arrive que ce ne soit pas le cas. Enfin, voilà. Typiquement. J'ai mon inventaire plein. C'est génial. Alors, aussi, à Noël, c'est là vraiment la fête. Alors là, on a une paire de baskets. Là, on a des boules. Alors ça, c'est le masque de Jaco que je pourrais mettre. Voilà. Aspirateur balai, voilà. Hein. J'ai vraiment... Mon inventaire, c'est vraiment une poubelle. Hein. Et aussi, un petit défi. Ah, il y a Laurent, mon singe grognon, qui veut me parler. Un chapeau d'aventure. Je vais devoir aller voir Millimelo pour vendre mon bordel. Alors là, oui, j'ai mis déjà Sainte. Là, c'est la seule anémone bleue que j'ai du jeu. J'essaie aussi d'avoir toutes les couleurs de fleurs. Il m'en manque une pour le moment, c'est dire. Alors concernant les insectes et les poissons, je les ai tous. Hein. Là, il n'y a pas d'embrouille, je les ai tous. J'ai tous les poissons du jeu. Alors ça, c'est un fossile. Il n'y a pas encore de... Il n'y a pas des gyroïdes dans ce jeu. Là, ça me permet du coup d'enchaîner sur un autre souci. Hein. Il manque beaucoup de jeux. Hein. Comme je l'ai dit, alors je sais pas quand vous aurez cette vidéo. Bah, je pense que ce sera la vidéo qui va remplacer Radiant Dame avant. Parce que là, actuellement, Radiant Dame, bon, j'ai essayé de vous faire... de capturer la Wii et ça marche pas. Ah ouais, non, ça faut pas le vendre. Ça je le vends, ça je le vends, ça je le vends, vends, ça je le vends pas. C'est des trucs pour Noël. Voilà, c'est vraiment la vie d'un mec insupportable. C'est sans doute le nom de la vidéo. Parce que je suis insupportable sur ce jeu. Hein. Je suis intraitable. J'ai même pas fait remarquer que j'avais des roses d'or. Ouais, j'ai des roses d'or, j'ai...
En fait, là, c'est l'île Pognon. Ah, ils ont chacun un nom, hein. Je les aurais donné un nom, hein. Là, c'est l'île Pognon et Fruitière, parce que voilà, on est accueilli, on arrive, on a des fleurs oranges qui nous accueillent et des sacs. Et là-bas, si tu vas plus loin, eh ben, tu as des, toutes les sortes de fruits. Toutes les sortes de fruits. Alors là, si vous demandez pourquoi il y a des pensées à côté d'autres pensées bleues, c'est pour les pensées. Ah bah, typiquement, voilà. Attends, il y a un ballon ou pas? Attendez. Non, dans 2 minutes. Ah, je l'ai dit, hein, je suis insupportable, vraiment. Donc là, il y a une méthode, il y a une façon de d'avoir, d'optimiser les fleurs, on va dire. Cette méthode consiste à faire une sorte de. Bah, d'en mettre un à chaque cardinal. Chaque cardinal plutôt. Non, bah, non, cardinal, ouais. Alors, les fossiles, je les ai tous. C'est le premier truc que j'ai fini, on va dire. Je montrerai à tête après le musée. Par contre, les œuvres d'art, alors ça aussi, hein, les œuvres d'art dans Animal Crossing, je les ai jamais finies. Hein. Tellement il y en a. Ah, voilà, il y en a là, il y a un bousier. Mais le bousier, je l'ai déjà. Ils s'en bat les couilles. Alors, voilà, ça, c'est l'histoire d'un connard. Pourquoi je dis que c'est l'histoire d'un connard? Parce que les bonhommes de neige, franchement, ça me fait péter des câbles. Si vous essayez de les faire parfaitement, c'est vraiment la merde. Hein. Voilà, l'histoire d'un mec insupportable, acte 3, hein, puisque là, on va encore vérifier s'il y a un ballon. Donc là, dans 1 minute, il y a un ballon. Alors, pareil, hein, les poissons, je les fais plus, hein, depuis un moment, je les fais fuir. Je sais que là, on peut avoir les marlins, on peut avoir les marlins, thon. Coryphène et Karanga grosse tête. Pour vous dire à quel point je les connais. Hein. Ah, ça serait bien d'avoir un craft pour vous montrer. Puis je vous ai pas montré tous mes habitants, voilà, je suis vraiment insupportable. Ça fait 12 minutes et voilà, le mec il donne pas envie de jouer à Animal Crossing. Ah, il est 20. Tiens, un ballon. Et franchement, je fais ça des fois. Hein. Ça, bon, je fais pas ça longtemps, hein. Je fais ça 1 heure. Ah oui, là il y a un requin baleine. Il y a Jimbe, je l'ai appelé Jimbe. Il a un nom, ouais. Là il y a le requin marteau, il y a la plage. Là on est sur la côte requin marteau, il me semble. Ouais, la côte requin marteau. Ouais, je donne des noms à mes plages aussi. Je trouve ça kiffant. Alors là, si vous demandez, mais c'est qui est là? C'est mon compte triche. Je l'ai appelé comme ça parce que Brunard, des fois, a plus d'une œuvre d'art et quand t'es seul à jouer, bah c'est la tristesse, quoi. Du coup, bon, bah, tu perds une œuvre d'art et t'as le seum. Bon, là, typiquement, il n'y a pas de ballon. On peut continuer à faire nos petites aventures. On n'a pas vu tous mes habitants, hein, pour le coup. On n'a pas ramassé la bouteille, hein, non plus. Aussi, hein, chaque jour, tu as une bouteille, voire même plus de. Je crois que tu en as même tous les 3 jours. Ah, voilà, Boubou! Dis ta phrase, Boubou. Tiens donc. C'est Boubou! Alors c'est un cerf hein, dans le lore, mais en réalité c'est un bouquetin, c'est pour ça qu'il s'appelle Boubou. Voilà, alors la redondance, hein, cette fois je l'ai eu peut-être 20 fois, hein, tellement je l'ai eu souvent. C'est mon bouquetin. C'est Boubou le bouquetin. Que j'ai depuis quelques mois. Alors ici il est pas là, il est pas dans sa maison. Polito qui regarde les cryptos, il faut pas s'asseoir. Ici, il n'y a personne qui est là. Bon, vous avez vu certains de mes habitants peut-être cachés. Qui se sont cachés, les petits saigos. Ramasser les bouts de bois hein, parce que ça fait sale. Ah, c'est pas chez eux. Hein. Là, c'est l'île, il n'y a pas de nom. À une époque, ça s'appelait l'île aux persos normaux parce qu'il n'y avait que des normaux. Donc c'est un type, hein. Ils ont chacune une personnalité. Ils avaient tous la même personnalité, ceux qui habitaient là. La table de cheveux en bois, je la connais déjà. Alors c'est très rare que j'ai un nouveau truc. Ça m'arrive très rarement. Alors ici. Ah il est pas. Il est chez lui. Alors lui c'est le plus récent de mon île. Ça fait pas longtemps qu'il est là, ça fait peut-être un mois. Drago, le Naligator, qui est un dragon hein, pour le coup.
et qui est vert et rose, donc il est complètement guac.fr. D'accord, alors ça par contre je l'ai jamais eu hein, comme discussion. C'est mon paresseux. Bah j'en ai deux de paresseux, hein. J'ai lui et un autre habitant, j'espère qu'on le verra. Alors ici c'est mon cimetière. Oui j'ai un cimetière, et là c'est la piscine pour Drago. La piscine à alligator. Alors j'ai essayé, tu vois, de mettre des esprits, de faire en sorte que les bruits de parfum ressemblent à des esprits avec qui regardent une petite fleur. Hein. Je trouve ça mignon. Donc là, voilà, c'est le cimetière qui est pas fini, hein, remarque. Mais que j'ai la flemme de finir. Donc ici, il n'y a rien de particulier. C'est une allée pour aller de l'île aux hippopos à l'île normale. Bon, même si maintenant, il y a un Drago qui n'est pas normal. Ah, ici. Ici, il n'y a pas vraiment de... C'est l'exposition, voilà. C'est une petite balade archéologique. Voilà, t'as une tête de moaille. Voilà, le problème de l'ergonomie, c'est vrai que... Attends, ballon, non, dans 2 minutes. Du coup, je m'arrête de jouer tous les 5 minutes pour aller voir s'il y a un ballon. Je crois qu'il m'en manque 6. Alors par contre, vraie question, est-ce qu'il y a Céleste? Alors, concernant la capture, bon, c'est pas parfait, mais ça fait le café quand même. De ce que je peux voir, ça va plutôt bien. J'ai connu pire, hein. Peut-être parce que c'est du 30 FPS, ouais, et que le jeu est en 60, c'est peut-être ça. Parce que la carte d'acquisition que j'ai, elle ne fait pas du 60 FPS, elle fait que du 30. Je pense que c'est dû à ça. Donc voilà, là, il y a le Chrome Lèche. Je pense que c'est ça. C'est parce que le jeu est en 60 et que là, j'y joue en... Le jeu est en 60 et que la carte filme en 30. Je pense que c'est dû à ça, vous voyez que ça saccade un petit peu. Bon, disons qu'il y a pire. Ça pourrait être pire. Une mauvaise herbe. Donc voilà, là c'est là où je ferme les bouts de neige. Donc, parce qu'il faut un espace particulier, hein, il faut 5 cases, un long 5 à 4, un truc comme ça. La maladie des ballons. Parce qu'il y en a un. Il y en a un qui va arriver. Là il est 25, donc logiquement il doit avoir un ballon quelque part. Ou pas. Il arrive parfois qu'il n'y en ait pas avant au moins 20 minutes. Est-ce qu'il y en a un? Non. Ah oui, des fois il m'arrive de pas le voir du premier coup, du coup je préfère faire des allers-retours. Mais là je pense que je l'aurais vu. Donc voilà un petit peu hein, mon île qui s'appelle l'île Bon Augure. Je trouvais ça stylé hein, en plus, ça ressemble un petit peu à une île de... Non, c'est l'île d'Aurore dans Wind Waker. Donc plutôt stylé. Je vous ai pas montré tous mes habitants, ils sont pas tous là, c'est dommage. Ils sont cachés. Alors je vais vous dire qui c'est qu'on n'a pas vu. Ici c'est Ramsès, hein, c'est le chien momie. Ici c'est Marilou, c'est une louve normale. Et ici c'est Marina, la poulpe normale aussi. Que j'ai eu au camping, hein, je l'ai eu au camping Marina. Marilou, c'est ma 4e habitant. Alors, le plus vieux habitant, on n'a pas vu aussi Axel, qui est mon éléphant sportif, qui est mon premier habitant. Avec Rina, c'était une... Ah bah, Ali, elle est là. Ici, c'est ça. Je voulais faire, tu vois, une retranscription de partie d'échecs. Mais bon, il n'y a personne qui va... mes habitants vont rarement ici. Alors, il me manque 2 fossiles. Alors ici aussi, des fois, j'oublie d'aller là. Il n'y a rien. Franchement, le terraforming dans le jeu est rarement fait. Ah, les musiques de Kéké, hein, je les ai tous aussi. Il y a rarement... Voilà, il y a un fossile. Donc voilà, c'est à peu près ce que je fais sur Animal Crossing. Hein. Je fais ma petite dose et puis...
En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Franchement, c'est... Je pense que c'est pour faire à patienter sur Radio Andam. Parce que j'ai envie de le faire sur Wii. Et que malheureusement, ma capture... Ça, au moins, le truc que j'ai peut enregistrer la Wii. Hein, la capture se passe bien, mais c'est juste qu'il y a des soucis. C'est juste ça, en fait. Bon, je pense que je vous aurais mis cette petite vidéo d'Animal Crossing pour patienter. En attendant, le truc qui est censé capturer... capturer là du coup ma Wii. Alors je suis en train de chercher le dernier fossile, hein, je crois que il m'en manque un, ouais. Je pense qu'il y a aussi un peu de lag du fait que bah il faut retransmettre le truc quoi. J'ai fait fuir un bousier. Alors les bousiers c'est des prankers, hein. Ils font pousser les boules de neige mais il leur arrive de les foutre dehors. Hein. Qui tombent de l'étage et du coup t'es obligé d'attendre pour qu'il y en ait une nouvelle. Vous avez vu le dernier fossile? Ah oui, hein, des fois je les vois pas parce qu'ils sont bien cachés, ils sont juste à côté d'un champ de fleurs ou même derrière un arbre. Autrement dit, pour voir, c'est un peu chiant. Hein. Bon, il va avoir un ballon, donc j'espère qu'on... J'ai envie de qu'on se termine sur un petit craft pour vous montrer à quel point c'est casse-couille de farm les crafts. Que c'est vraiment une catastrophe de ce côté-là. Hein. Franchement, quand tu vois en profondeur le jeu, il manque tellement de trucs, il est tellement casse-couille. Je pense qu'on va s'arrêter sur le musée. Hein. Là, j'attends qu'il y ait un ballon et puis... voilà, dans une minute, il y a un potentiel ballon. Et puis, je jouerai de mon côté, je finirai au pire les trucs. Hein. Je vais pas tout vous montrer, hein. Je vais juste peut-être vous montrer le musée là après. Je crois qu'il y a un ballon. Non, c'est un nuage que j'ai vu. Oui, je fais ça. Franchement, des fois, tu peux voir un ballon de très loin en faisant ça. En tout cas, je suis content de vous montrer hein, cette petite vidéo. Alors, franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Mais au moins, voilà, vous voyez. Première vidéo sur une console récente. Hein, enfin, du non-rétro gaming. Même si c'est pas parfait. Ah, voilà, il y a un ballon. C'est un ballon rouge, donc les ballons rouges c'est censé apporter plus de craft. Mais on va avoir un... On va avoir un meuble tout pourri ou un vêtement. Je crois que ça peut être aussi des vêtements, hein, les ballons rouges. Ah oui, il faut faire attention au fait que j'ai de l'input lag. Alors, à votre avis, ce sera quoi? Un tableau noir. Bon, un meuble. Et ça, des fois, ça peut durer longtemps hein, pour avoir un craft. Hein. Franchement, c'est un aspect que je trouve un petit peu immonde. Les crafts, c'est une bonne idée, mais sauf que pour les avoir tous, c'est une catastrophe. Bon, je vais vous montrer le musée. Je vais faire expertiser mes musées, mes fossiles, hein, pour vous montrer que je les ai tous. Est-ce que je vous ai oublié de montrer quelque chose moi. Expertise des fossiles. Il doit m'en manquer un, mais je sais pas où il est. Je le chercherai après. Là, c'était juste pour vous montrer. Je fais ma routine aussi. Je pourrais vous montrer tous les crafts que j'ai, mais bon, on aurait pour 10 minutes, quoi. Allez, je vous le montre vite fait. Il me manque plus qu'un craft d'or, hein, c'est la canne à pêche. Non, c'est la pelle, et la pelle, il faut aider 30 fois Gulliver, je crois que je l'ai aidé 29 fois. Il me manque encore quelques trucs hein, en craft, hein, j'ai pas tout. Vous les voyez un peu. Hein. Je l'ai dit, hein, c'est long, hein, beaucoup d'or hein, aussi. Je crois que j'ai quasi tout en or. Alors là, oui, hein, c'est ce qui me manque beaucoup, c'est la collection que donne Céleste. J'ai complètement zappé de lui parler, quoi. Je croyais qu'elle donnait rien, mais en fait, si. Elle donne énormément de craft. Je crois qu'elle en donne plus de 30, voire 40, donc carrément énorme, quoi. Là, c'est des trucs Halloween, ça, c'est des trucs automne. Tout ça, c'est automne, ça, c'est été. Tout ça, c'est été, et ça, c'est printemps. En printemps, il m'en manque un de craft. Donc ça, c'est des crafts saisonniers que tu peux avoir uniquement dans les ballons.
On peut avoir a priori aussi via les habitants, mais les habitants m'ont jamais rien donné. Ça, c'est Thanksgiving, ça, c'est justement Arctic, c'est ce que donnent les Yetiti, donc les bonhommes de neige. Ça, c'est les crafts qu'on a dans les ballons. Ça aussi, comme vous pouvez le voir, j'en ai 7. Il y en a 15, il me semble. Non, il y en a 12, il m'en manque 5. Ça, c'est Pâques. Et voilà, vous avez tout vu mes crafts. Attends, il est quelle heure? 33. Ah, bah, il y a un ballon, désolé. Le musée, ça va attendre, hein. Ça devra attendre. Voilà, on est en 30 FPS, hein, vraiment, c'est peut-être pour ça. Quoique, je sais pas, des fois, ça paraît fluide. J'en sais rien. Donc, voilà, on va faire le musée, puis on va s'arrêter là. Hein. J'espère qu'honnêtement, ce sera cool. Moi, je trouve ça cool, au moins, c'est inédit hein, sur la chaîne. Bon, bah, on est parti pour attendre 2 minutes. Hein. Bon. J'espère, ouais, c'est inédit. Après, j'espère au moins trouver quelque chose pour filmer la Switch, la Wii. Parce que j'ai vraiment envie de vous faire Radiant Dame sur depuis la Wii. Peut-être qu'il faudra que j'achète une autre carte, une carte d'acquis. Carrément un boîtier. Là parce que c'est une carte, parce que je sais pas un boîtier. Pour filmer la Wii. Peut-être un truc. La Wii marche en Piritel et en DVA, c'est ça? Ce que j'ai pris c'est un truc DVA et le truc DVA il fait de la merde. Vraiment la déception. Mais je pense que c'est le truc qui est défectueux. Hein. Si j'en prends un autre, ça merdera pas à ce point. C'est juste que j'ai pas eu de chance. Hein. Je pense que je suis tombé sur un truc défectueux. Donc voilà, le let's play de Radiant Dame un petit peu retardé à l'animation, c'était juste pas possible. Je pense même que vous avez peut-être pas eu le prologue. J'hésite vraiment à vous le mettre au moment où je vous parle. Donc peut-être que vous l'aurez eu. Peut-être que vous l'aurez pas eu. Je sais pas. Je pense que je vous l'aurais quand même mis. Et qu'au final, on sera passé. Je pense que même au moment où vous voyez cette vidéo, il y a le. Il y a le. Comment? Le journal qui est sorti aussi. Qui vous montre que j'ai eu Radiant Dame. Le jeu sur Wii. Donc, ouais. Ce sera pas un let's play, hein. Je vais pas vous refaire Animal Crossing, hein. Le jeu il est assez chiant comme ça. Bon, quelqu'un, c'est quand même quelqu'un qui kiffe le jeu qui vous dit que le jeu est chiant. Hein. Ah, moi je trouve le jeu pas complet. Ah bah voilà, mais je l'ai déjà. Donc ouais, il arrive que les crafts en plus de ça, tu peux les avoir déjà hein, dans les ballons, donc franchement c'est vraiment un gros kiff. On va finir avec le musée. Pourquoi tu. Ouais, pourquoi j'ai les crafts et que j'ai pas. Je fais pas ma maison. Bah. Justement, j'ai besoin d'avoir tous les crafts pour faire ma maison. Sauf que je pense que je peux attendre longtemps. Hein. Donc, le musée, il est complet au niveau des insectes. Alors, voyez le gros tryhard. Hein, la cigale cercope, 1er juillet. La cigale géante. La cigale Yalesa. La cigale Igorashi, la mue de cigale qui est un truc, qui est un insecte rare. La cigale Cicadelle, tout le premier, tous les premiers du mois. Hein. La Dittik, la pumesse d'eau douce, le patineur. Le catancanthus, l'abeille naine, la cicindelle. Ah, je pense que vous avez, si je vous ai montré que j'ai les trucs d'or, c'est que j'ai tout. La menthe religieuse, la punaise, le clucane compris hérissé. Parce que vous entendez, c'est la mouche. Hein. La luciole. Le momorlis. Scarabée éléphant. Scarabée Goliath. Je peux vous dire que c'était chiant hein, de les avoir tous. Scarabée Atlas. Le scarabée Hercule. Hein, oui, je l'ai lu après parce que franchement. La lucane girafe. Le Lucane Cyclomatus. Le Cordulégrate. La Demoiselle. Le Simsterium.
L'anax napolitain. Alors ici, il y a l'araignée. L'araignée. L'Atlatus Atlas. Le Lucan Laprima. Que j'ai eu après. C'est des insectes hyper chauds à avoir quand même. Le charançon bleu. Le scarabée qui est un insecte hyper casse-couille à avoir parce qu'il ne spawn que le soir. Le pseudotorionna. Bah si vous voulez plus faire ça, c'est le nitidule. Le scarabée kabuto. Le Sasaka charanda. Le Lucan Akinatus. Le Lucan Miyama. Le Buprest. Le Rosalia Batesis. Le Capricorne des agrumes. Le Lucan cerf-volant. T'as un ballon ou pas? Il va avoir un ballon, hein. Donc, excusez-moi. On n'a pas fini, il reste deux zones. Hein. Et après, il y a les poissons, il y a les fossiles, il y a tout, quoi. Le mec pas casse-couille, hein. Ah, je l'ai dit, hein. Ça va être très casse-couille de ma part. Hein. Mais bon, ça ferait chier de louper un ballon. Surtout s'il y a un craft. Alors, ça veut rien dire, hein. Ils peuvent très bien avoir un craft après un autre. Vous voyez quand même le tryhard ultime sur ce jeu, alors que c'est franchement c'est le jeu typique qu'il ne faut pas tryharder, c'est le jeu du shield. Après, il y a les créatures marines aussi. Alors les créatures marines, je les ai pas finies, il en reste une à avoir. C'est vrai que je l'ai pas précisé. Créatures marines, il reste... Les œuvres d'art. Si jamais vous voulez me donner une œuvre d'art, allez-y, hein, franchement, je vais vous montrer ce qui me manque. Je vais vous montrer plutôt ce que j'ai, et puis si jamais vous voulez m'en donner une, pas de soucis. Hein. Je peux même donner ce que j'ai en double. Hein. J'ai la statue féminine et une autre peinture que j'ai en rab. Voilà, petit kiff, hein, honnêtement. Voilà. Dernier ballon, je pense qu'après j'arrête, hein, honnêtement. Je vous fais un poil trop chier avec. J'abuse un petit peu là, je tire sur la corde. Alors, vous avez de la chance, même pas, vous avez pas de chance, il n'y a pas de ballon. Et les bonhommes de neige, je les ferai de mon côté. Parce que je tryhard tellement trop que si je le loupe, je relance le jeu quoi. C'est vraiment ce niveau là de tryhard. Bon, a priori, il n'y en a pas. Hein. Non, il n'y en a pas. Pas de ballon. C'est dommage, ouais, Laurie, ouais, je l'ai retiré parce que bon. Je croyais que je pouvais faire spawn des bonhommes de neige. Bah, des boules de neige là, mais je crois que c'est un peu trop petit. Hein. C'est légèrement trop petit, donc pas de chance. Alors les insectes, on les a pas finis. Donc j'ai 5 minutes pour tout vous montrer. Ça va être un petit peu difficile, mais bon. Alors ici, je vous ai tout montré. Alors ici... Le Ligi, ou la puce d'eau, et le Bernard l'ermite. Le scorpion qui se cache. Et le bousier. Le bousier qui spawn le 11 décembre. La tarentule, alors vous la voyez pas, mais elle est là. La sauterelle, le grillon des prés, le grillon du midi, le top grillon. Les criquets. Le criquet pèlerin, la crida cinerea, la fourmi, ici, c'est là-dessus qu'il faut voir, le moustique, la puce, le grand planeur, la mouche, bon franchement ça c'est, alors la mouche c'est un peu chiant à avoir, la mouche et la fourmi c'est quand même deux trucs assez chauds à avoir, parce qu'il faut avoir des navets pourris, le phasme, le phyllis, la Mamporquidée, qui est toute seule. Hein. Le cloporte, le mille-pattes,
le papillon nuit qui s'active plus. En plus, tu peux aller n'importe. Tu peux venir le matin comme au soir, la scène sera très différente. Et voilà, la serre au papillon. Le Gryphium Sarpedo, la Grias, la Coccinelle, l'Escargot. La Plérite de la Rave, le Cyprin, le Morpho Bleu. Le Papylor Bianor qui était quand même un peu casse-couille à avoir. Le Macao, le Trioïde Alexandrae. Le Chrysidia Rificius, le Momarque, le Trioïdis Brocchina. Donc voilà, là c'est tous les papillons, là ils sont tous là. En même temps j'ai tous les insectes, comme je l'ai dit. Est-ce qu'il y a un ballon? Dans 2 minutes. Oh, je peux vous montrer la première salle des fossiles qui est vraiment... Pour le coup, les fossiles, c'est vraiment ce qu'il y a le plus sympa à voir. C'est juste... C'est vraiment, pour le coup, c'est très gacha-like. Hein. Oh, on va peut-être voir un habitant en plus. Hein. Ah, mais là, je suis allé dans la... Dans les œuvres d'art. Ah, no spoil. Bon, alors, j'ai la truc de Romulus. Statue maternelle, Louve Capitoline. La Louve issue de la mythologie romaine et au centre de cette structure et d'une polémique. La Louve de bronze elle-même est d'un chef-d'œuvre datant du 5e siècle avant Jésus-Christ. Quant aux jumeaux, ils auraient été ajoutés au 15e siècle, ou du moins c'est ce qu'on a longtemps cru. D'un chef récemment suggère que l'œuvre originale daterait en réalité du 11e siècle ou du 12e siècle. Voilà, alors ça c'est bien, alors, ils ont fait que ça que pour les œuvres d'art et non pas pour les poissons. Et les insectes, ils font. En fait, c'est que Thibaut ne que le dit au début, quoi. Quand tu donnes le truc pour la première fois, il te le dit. Donc, je vais pas vous montrer toutes les. Je vais pas parler à toutes les œuvres. Hein. Vous montrer les descriptions de chaque œuvre, hein, parce que sinon, ça serait trop long. Mais au moins, voilà. Je pourrais faire carrément toute une vidéo sur le musée, hein, tellement il est complet. Et bien sûr, mon île est 5 étoiles. Je l'ai pas dit non plus, mais. Si j'ai des roses d'or, c'est normal, c'est que j'ai mon île est 5 étoiles. Ah oui, je l'ai pas dit comme on a chaque outil d'or. Alors, la rose d'or, il faut que l'île soit 5 étoiles. La pelle, il faut aiguiller l'hiver 30 fois. Le filet, la canne à pêche, il faut avoir tous les insectes et les poissons. Pour le lance-pierre, il faut péter 300 ballons. Ah, pas non plus de ballons, c'est vraiment la loose. Pour la hache, il faut casser 100 haches. 100 haches, ouais, rudimentaire ou pas. Hein. Ça n'importe peu. Et pour le moment, bah, le seul outil en or qui me manque, c'est l'appel d'or. Parce que je n'ai pas aidé Gulliver 30 fois. Je l'ai aidé 29 mois, je crois que je l'avais déjà dit. Donc voilà, là, il n'y a pas de ballon. On va finir ces... Ah bah si, il y en a un. Ah, tu vois que c'est bien, des fois, de faire plusieurs allers-retours. Et c'est un ballon bleu. Alors les ballons bleus en hiver, ils rapportent plus de trucs. Voilà, oui, ça s'assoit sur la bouée. C'est ridicule des fois. Hein. C'est ridicule. Tu es ridicule, Laurent. Alors je l'ai pas dit, mais Marie a dit qu'il y avait une pluie d'étoiles filantes, sauf qu'il y en avait une hier. Donc c'est un peu bizarre. Alors là, c'est soit un matériau, soit un craft. Voilà, les pépites de fer. Du Joseph. Ah oui, à un niveau ergonomie, hein, ce jeu il pue la merde. Hein. Par contre, ça y a pas à tortiller. Hein. C'est vraiment une ergonomie de merde. Hein. C'est vraiment pourri. Y a pas à dire. Bon, les fossiles. Aussi qui sont complétés. Alors là, je pense que je vais m'en battre les couilles s'il y a un ballon. Je le ferai de mon côté. Alors, le trilobite. Anonalocaris. Premier AV de l'ammonite. L'ambre. Le Stacanthostega. La mandibule d'Helioscorpio. Et le scorpion. Ça, je le fais. Hein. Le Nilokimanga. Le Diclosteus. Eustonotheron.
Donc vraiment, ouais, ça, j'ai pris un kiff à le compléter. Peut-être qu'on verra un habitant. Souvent, ils se baladent dans le musée, hein, ça leur arrive. Y a personne. Le brachiosaure. Alors, on dit pas quand il est complété, hein. Le pachylocéphale, le triceratops. Voilà, je vous montre ça un petit peu. Je crois que j'ai arrêté de parler au truc. Hein. Pour le coup, là, c'est hyper complet. Hein. Franchement, c'était un kiff. C'est un kiff de le voir complété. Le mammouth, le tigre à dents de sabre. Alors, ça, c'est un. C'est l'Australopithèque, hein, il y est. Hein. Et lui, c'est le Megaceros, et l'autre, j'ai oublié. Brontérium. Et le Megaceros. Un kiff. Vraiment un gros kiff. Bon, il restera l'aquarium à vous montrer et les œuvres d'art vite fait. Comme ça, si jamais vous voulez m'en donner une. Hein. J'ai pas mon code onirique. Ah, je pourrais vous. Ah, je crois que vous avez vu mon code ami. Donc, si jamais vous l'avez vu, tant pis. Hein. Un mec chiant qui vise le 100%. Ah, peut-être que je mettrais ça. Tiens, j'y pense en titre de vidéo. Animal Crossing. Un ch... Comment j'avais dit au début? Je sais plus. Un mec chiant qui vise le 100%. Je pense que je vais mettre ça. Pour montrer à quel point le 100% est proche. Ouais, j'ai dit que je m'en allais m'en foutre, mais au final, non. Là, il y a une forte chance qu'il n'y en a pas. Hein, parce que deux fois de suite. Fois de suite, c'est rare. Hein. Mais ça arrive. Non mais c'est pour montrer à quel point c'est casse-couille les ça. Vraiment c'est une pi... Cette mécanique elle est à chier quoi. Pour avoir les crafts. C'est vraiment une mécanique à chier. Parce que les habitants, bon au début c'est marrant parce que t'en as aucun, ils te donnent tous des crafts. Mais une fois que t'as plus de 2 mois de jeu, je pense que à partir de là, t'as moins de chances d'avoir des ballons, des crafts. C'est un petit peu triste. Hein. À une époque, les trucs, tu les obtenais grâce aux habitants spéciaux hein, lors des events. Ah, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais les events, bon. Voilà quoi. Ils font beaucoup de leur com sur les events. Les events. Mais vraiment, tu les fais en 1 heure, quoi. Franchement, les events, tu les fais en 1 heure. C'est d'une tristesse vraiment hallucinante. Donc le jeu, ouais, clairement, gros manque de profondeur. Il manque vraiment beaucoup d'éléments pour que le jeu soit cool. Pour qu'il soit vraiment parfait, il faudrait beaucoup de trucs, hein, encore. Mais tel qu'il est là, bon, il y a quand même de quoi faire, hein, vraiment, tu débutes le jeu, t'as de quoi faire. Hein. Mais quand t'arrives à un certain stat, tu te fais chier, quoi. T'as plus rien, grand-chose à faire. Bon, là, typiquement, il n'y a pas de ballon, on va aller voir, on va retourner au musée. Je vais vous montrer les poissons et les œuvres d'art. On va commencer par les œuvres d'art et on va finir par les poissons. Doum, pouette, pouette. Bon voilà, une petite vidéo 3 quarts d'heure. Hein. Petit kiff. Hein. Alors les œuvres d'art, j'ai le David, ça c'est. Non, c'est pas le David. Le Disco Ball. Le Disco Ball, au pire vous mettez en 0,25 si vous voulez lire. La Vénus que j'ai en 2 fois. J'ai la dame à l'hermine. J'ai pas la Joconde, j'ai pas non plus l'autre truc là. Qui est tout en faux, remarque. Le truc là, la dame je sais plus quoi. La toile émouvante, donc c'est la naissance de Vénus. Que j'ai eu il y a pas longtemps en plus. La laitière. Ah ouais, alors quand il met sa grosse tête, on peut pas voir. Voilà. Lui j'ai oublié. Le garçon en bleu. La Maja vêtue.
Ah, la Marianne U qui est un truc censuré, hein. Ils ont pas voulu ils ont pas voulu avoir de problème. La statue guerrière, donc ça a été armée de terre cuite. Alors là, vraiment, là c'est complété par contre. La toile puissante, le summer du coup. Les glaneuses. Les glaneuses plutôt. La mort quelque chose. Ophélie, non, c'est Ophélie le nom de l'œuvre. Ophélie, voilà. Qui a priori eu un bug. Le fiacre. Ah non, le fistre. Un bar aux folies bergères. Ouais. Et pour finir. Non, pas pour finir. Il m'en reste encore un petit peu à vous montrer. 2-3. Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Junte. Qui, pareil, c'est l'une des œuvres que j'ai eues récemment. Les tournesols. Ça, c'est le penseur de Rodin. Je crois que c'est la première œuvre d'art que j'ai eue. Ouais, 1er mai. Parce que c'est hyper long d'avoir des œuvres d'art. Hein. Je l'ai pas dit. Alors, le Otani Oniji 3. Dans le. Ça, c'est le mont Fuji. Bah, 36 vues au mont Fuji. Et ça, je sais plus ce que c'est. À qui j'ai. Qu'est-ce que tu fais? Ok, bah voilà, toutes les œuvres d'art que j'ai. Est-ce qu'il y a un ballon? Ah oui, il y a un ballon, on peut aller voir. Comme ça finira à 5 heures. Et je vous montrerai les poissons. Les poissons. Par contre, je vous les édite pas. Hein. Là, c'était pour vous montrer les œuvres d'art que j'avais. Ouais, ça casse le rythme, je sais, mais c'est pas grave. C'est une vidéo découverte, pas du tout. Ah, si ça, c'est une découverte, bah putain, c'est que vraiment. Franchement, j'ai dosé le jeu à mort là. S'il devait y avoir un pourcentage dans le jeu, honnêtement, je serais peut-être à 90, voire 90. Ouais. 90% du jeu, hein. C'était clairement. Il est tellement surdosé que. Pas de ballon, vous avez de la chance. Bah, vous avez de la chance. Non, moi j'ai pas de chance parce que voilà. Ah, peut-être il arrive plus tard. Hein. Il y a des ballons, ils ont un petit peu de retard. Mais je crois que là, non, il y en a pas du tout. Faut faire un tour quand même. Parce que oui, c'est pas 55 piles, c'est. Ah, si, il y a un ballon. Ouais, vous voyez, hein. Faut bien vérifier, hein, parce que sinon. Sinon, bah voilà, tu te fais carotter un ballon et un craft, du coup, ça prend plus de temps. Allez! Et c'est long, hein. Il prend un peu son temps. Mais bon, si c'est pour avoir un craft que je n'ai pas, ça vaudra la chandelle. Et voilà. Ce sera le dernier, vous inquiétez pas. Et voilà le mur festif que j'ai déjà. Ah non, que j'ai pas. Bon bah voilà, c'est un truc que j'avais pas. Typiquement, voilà, je vous montre hein, en 48 minutes, hein, pour vous dire, en 50 minutes, j'ai eu un craft que j'avais pas. Hein. En 50 minutes, on a eu deux crafts. Hein. Voilà, c'est la moyenne. C'est pour vous montrer, hein, en plus de ça, en 2 heures, en général, t'as deux crafts. Hein. On va finir sur les poissons. Montrant les poissons rares. Alors là, les sturgeons, il y a le saumon roi, le saumon. Il y a aussi le limule, il y a aussi l'ayou, me semble. La limule. Les perlans, le saumon roi, les sturgeons, le crabe chinois. Sturgeon qui est un poisson très rare, hein, très compliqué à avoir. Le gobie d'eau douce, le perche jaune, l'ayou, le carassin. Ah mais il y en a une deuxième. Le chevesne, le tilapia,
Le Deyu qui est un poisson très rare. 20 doigts. Alors les poissons rares, ils ont 1% de chance de spawn. Hein. La truite dorée, qui est hyper chaud à avoir. Saumon, le saumon massou et l'ombre. Pareil, l'ombre. Un petit peu chiant. Le piranha. Le bichir. Le dorado. Qui est une dorade en réalité. Le arepaima. Que j'ai beaucoup pêché. L'arowana. Donc il n'y a pas beaucoup de poissons. Ça, c'est les poissons exotiques, on va dire. Le crapé. Le bar. La carpe. La carpe quoi. La tortue trionix. Le tétard, la grenouille, la bouvière, la loge des temps, le silure, la crevisse, la tête de serpent, le gar, le brochet, le tortue serpentine, qui est la tortue qui spawn hein, sur le qu'on voit hein, quand on la pose, le fondu barré, le poisson rouge, le cyprin doré, le ranchou, le guppy, hein, le ranchou, c'est croque, c'est quand même un poisson très rare à voir, le néon bleu, le combattant, poisson docteur, poisson arc-en-ciel, poisson ange. Voilà, ça c'est les poissons de rivière. Ils sont tous là. Hein. Donc c'est plutôt stylé de tout ce que je voulais montrer. Par contre, je n'irai pas chercher l'autre ballon. Hein. Là, s'il y a un ballon qui est là, tant pis. Je finis de vous montrer ça. Et puis on s'arrêtera là. Le coryphène, l'anchois, le marlin bleu, le thon. Le Karanga Grosset, c'est les 4 poissons. Il y a 4 poissons qui se pêchent sur près du ponton et ils sont tous les 4 là. C'est une tannée hein, pour les avoir, E3, E4. Le requin baleine, le rémora la rémora adrier, le chinchard qui est un peu perdu ici, on remarque. La lune mer, le grand requin blanc. Mais c'est stylé, hein, vraiment, c'est le plus beau musée qu'on ait eu dans Animal Crossing. Hein, vraiment, le musée de New Leaf était un petit peu dégueulasse. Alors là, on va avoir des très rares en poissons, en créatures marines. Le vampire rap des abysses. Le batinum géant. Le cochon de mer. La corbeille de Vénus. Qui sont que des trucs rares, ça. Du coup, c'est hyper chaud de les choper. Alors, en poisson, là, c'est des poissons. Le macropina. Poisson rare. Le poisson ruban. Le poisson lanterne. La sélacanthe. Sélacanthe. Le crabe des neiges, le calmar luciole, le nautil, et c'est tout. Pour ce côté-là. Combien de temps? Ah bon, tant pis, il est 5 heures. Bon. C'est pas de grave, pas de ballon, j'irai pas le chercher, j'ai eu un craft, c'est tout ce qui compte. Au pire, hein, tout à l'heure, il y a une puits d'état de filance, je chasserai les ce qui me manque. Alors ici, l'Icléon, tout seul, le pétoncle, le crabe royal, l'oursin, le bulot, la crevette nordique, c'est beau hein, vraiment c'est très beau, le wakame, les balanes, l'étoile de mer, le turbo, l'ormo. On a trouvé Valentin Delormeau, effectivement. Hippocampe. Le poisson ballon. Le poisson porc épic. Le requin marteau. Vous voyez que je les ai pêchés dès qu'ils étaient là. Hein. Le calmar. La murène. La raie. Qui nous fait coucou. Hein. Regardez la raie. Le vivano. La limande. Le requin scie. Qu'on voit pas trop. Le cardo. Le crabe de Dungeness. L'Alo Cynthia Rosetti, le crabe Gazami, le poulpe, l'huître, le poisson scorpion, le scarus, le barcoma. Ça c'est vraiment du très commun. Et pour finir, les ultimes poissons. L'algue raisin de mer, le ver plat, l'huître perlière, bénitier géant, colossal, le homard. Les aiguilles de jardin, concombre de mer, on le voit pas trop. La langouste, la crevette menthe, l'oursin crayon. Ah, on le voit là, le concombre de mer. Le poisson clown, le poisson chirurgien, le poisson papillon, la murène ruban bleu, le Napoléon, qui est un poisson rare aussi.
Et pour finir, la pieuvre parapluie, la crevette tigrée, l'anémone de mer, la limace de mer, la moule. Et voilà, c'est tout, on a tout vu, on a vu tous les poissons, les insectes, tout ça, du musée. Alors en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt pour, du coup, Radiant Dam, en espérant que tout se passe bien. Et d'ici là, portez-vous bien, c'est Arcanum, bye!